Bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 12 février, il est 19h20, truc comme ça. Du coup, on a pris deux to go, donc on va. Mon chéri est parti les récupérer. Je suis finalement rentrée ce matin, je suis partie, j'avais plus de 3 heures de route, donc je suis partie ce matin de chez ma soeur et je suis rentrée vers 13 heures à la maison. Parce que ma famille me manquait trop, voilà, mon chéri, mes petits chats, ma petite maison, voilà. Donc je devais rentrer mercredi, mais finalement je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. J'ai passé une semaine extraordinaire, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, c'est tout ce qui compte, ça m'a redonné, ça m'a reboosté, ça m'a fait du bien. Donc du coup, pour les Too Good To Go de Carrefour, On en a pris un à 3,99 au lieu de 12 euros et un à 5,99 au lieu de 18 euros. Là, je vais vous montrer celui qui était à 3,99 à la place de 12 euros. Donc déjà, on a une galette comme ceci au jambon fromage. Voilà, c'est de l'anti-gaspi. C'est vrai que je vous montre parce que maintenant, on le fait en fait. Ils sont fermés le dimanche, mais ils le font le dimanche soir. Donc du coup on a la combine, c'est surtout mon chéri qui a la combine de mettre le réveil et parce qu'il y a une heure et ça part très vite à chaque fois. Donc du coup voilà, comme ça on le récupère du coup le lundi soir. Il y a une salade comme ceci. Il y a des petits muffins Milka, voilà, comme ceci. Et pour finir, une palette cuite, comme ceci. Donc c'est de la viande, hein, je pense. Épaule de porc, ouais. Donc ça, c'est de la viande. Donc voilà, ça c'est le petit panier. Et je vous montre le deuxième. Donc le deuxième, on l'a payé 5,99 au lieu de 18 euros. Donc déjà, on a des pains hamburgers comme ça. Vraiment spécial américain pour faire du coup des hamburgers ou autres. On a du Pierre Martinet, du taboulé aux fèves de soja à la menthe. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a encore une galette. Ça, c'est bien quand on ne sait pas trop quoi manger. Ça fait longtemps en plus qu'on n'en a pas mangé. Jambon fromage, comme ça. Ensuite, il y a des duo préfou de recettes à ail persil et lardon fromage. Voilà, comme ceci. Ensuite, il y a des assortiments de mini financiers 4 parfums. C'est... Ah oui, c'est des petits financiers comme ceci. Voilà. Ah, ça a l'air intéressant. Je pense qu'il doit y avoir de la pistache. Je sais pas, mais ça, à mon avis, ça va être assez bon. J'aime bien les financiers là en mini comme ça. Ça a l'air assez sympa. Et on a un coquelet rôti comme ça de la marque Maître Coq. Donc, ça vaut vraiment le coup. On est lundi, alors attendez que je regarde. Non, on est mardi 13, je vais y arriver. Il est 11h40, je viens de terminer du coup de vous filmer le haul de tous les achats que j'ai fait du coup pendant mon séjour chez ma soeur. Comme ça j'ai pu tout ranger, etc. Et du coup j'ai fait le montage et là il est en train de se mettre. Comme ça, il sera prêt pour 17h. Normalement, vous allez avoir une vidéo. J'ai essayé de voir pour faire une vidéo. Il y aura peut-être juste mercredi que vous n'aurez pas de vidéo. Mais voilà, je reprends du coup. Aussitôt rentré, aussitôt on reprend. J'ai reçu un échantillon pendant que j'étais pas là. Il faut vraiment que je sois pas là pour recevoir les échantillons. Ça faisait très 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 longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait très froid dans ma pièce. C'est pour ça que j'ai remis mon... Comment on appelle ça? Je perds mes mots. J'ai mis mon peignoir parce que bah, du coup, ma pièce n'est pas chauffée. Et ça faisait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 5, 6, 7. Ça faisait 7 jours du coup qu'elle n'avait pas été ouverte. Donc je dois vous avouer qu'il faisait hyper froid. Donc là ça y est, j'ouvre un peu la fenêtre et puis j'ai remis des petites bougies, des petits machins. Donc je recommence à... Je suis à 16 là, j'étais à 14 degrés. Donc pour faire le montage, c'est pas évident. Donc voilà, un petit échantillon de verre irrésistible. Donc ça fait plaisir. Là du coup je vais aller me démaquiller. On va aller faire 2-3 courses à Leclerc vite fait.
parce qu'on n'a plus de pâté pour la petite. Et puis après, bah, ça va être petite sieste tranquillou. Et du coup, j'ai fait mon planning tranquillement. Donc ce soir, hein, mardi, vous avez le hall. Puis j'avais des papiers imprimés, etc. Parce que du coup, le chéri a fait sa chimio le 8. Et là, il a commencé les piqûres de Zarzio depuis hier. Donc il fallait que j'imprime aussi l'ordonnance. Parce qu'il avait donné l'ordonnance pour aller chercher le Zarzio, les piqûres de Zarzio pour les globules. Mais il n'y avait pas envoyé, il n'y avait pas fait l'ordonnance, parce que nous, c'est une infirmière à domicile. Hein. Donc voilà, donc, comme ça, je l'ai imprimé. Comme ça, quand l'infirmière, là, elle ne va pas tarder à lui faire sa piqûre, elle aura le papier. Je vais essayer de vous faire le vlog, du coup, vous mettre le vlog pas trop tard, hein. Peut-être demain, même s'il ne va rien se passer d'intéressant. Je reprends du coup le rythme des vidéos. Donc ça va être boulot, voilà, va se passer des choses hyper intéressantes, mais essayez au moins de vous, voilà, de vous faire un petit vlog du coup pour vous dire que, bah, écoutez, ça s'est bien passé, j'ai été très fatiguée, bizarrement, mais je me suis bien reposée en tout cas, et voilà, j'ai un peu du mal à reprendre mes repères, mais tout va bien, mes petits chats, ça fait plaisir de revoir mes petits chats, de revoir mon chéri, de revoir ma petite Pichou, de reprendre le chemin des vidéos. Donc, du coup, ça m'a fait énormément de bien. Et voilà. Je suis encore un peu fatiguée, mais c'est vrai que voilà, l'air de là où elle habite, voilà. Vous savez que je reste discrète. Ça m'a bien fatiguée. Donc, voilà, c'est vrai que quand je suis rentrée, j'étais bien fatiguée. Mais tout va bien. Donc, c'est principal. Alors, j'ai lavé mes cheveux ce matin, donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il pousse vite, hein. Il pousse vite. Et puis voilà. Donc là, je vais aller me démaquiller. Je vais aller préparer. Parce qu'il faut qu'on rende aussi le répéteur Wi-Fi qu'on a depuis je sais pas combien de temps. Ah, mes souhaits, pardon. Et puis du coup, bah, après, on va aller vite fait à Leclerc. Peut-être passer à Action. Parce que du coup, il y a une nouvelle boîte de 50 feutres qui est sortie. Donc le chéri est très intéressé. Donc peut-être voir. Voir si il est dans notre action, comme ça il va pouvoir le prendre. Il a je sais pas combien de feutres, mais voilà. Et du coup, il a fait un dessin qu'il a fait en cadre pour qu'on puisse le mettre dans le salon. Donc, je vous montrerai celui qu'on a choisi parce que du coup, bon, on va mettre. Il faut qu'il rachète des cadres aussi, puisque du coup, on va mettre eh bien, ses œuvres aussi dans notre salon. Voilà. Et tout simplement pour personnaliser et puis pour parce qu'il fait tellement des belles choses. J'ai quelque chose dans les cheveux. Il fait tellement des belles choses que voilà, on a envie de mettre plein de choses dans le salon. Donc je vous montrerai ça. Donc je vous dis à plus tard. On est vendredi, il est 13h, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas vu la semaine passer, on a fait plein de choses, on avait plein de choses à faire. Donc c'est pour ça que je vous reprends qu'aujourd'hui. Je voulais vous montrer et je vais clôturer le vlog pour que vous l'ayez pour ce soir parce que du coup j'ai pas eu le temps, je devais vous le mettre pour mercredi, après pour jeudi et puis finalement bah, voilà, comme je vous dis on a eu plein de choses à faire etc. Je voulais vous montrer mon cadeau de Saint-Valentin, je voulais les partager un petit peu partout mais voilà, mon chéri m'a fait un super cadeau, il a fait faire un cadre comme ceci, voilà. Donc c'est une personnalisation, c'est une réalisation faite à la main et avec marqué au cœur de vos rêves. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Hein. Donc je vais l'accrocher dans ma pièce. C'est tout simplement la même personne qui avait fait en résine le cadeau qu'il m'avait offert aussi il y a quelques temps. Du coup, je voulais vous la partager, je voulais déjà partager un petit peu. Donc voilà, je vous mettrai ses coordonnées à la queue, une adresse mail ou un numéro de téléphone. Je vous mettrai ses coordonnées. C'est au cœur de vos rêves. Vous pouvez la retrouver aussi sur TikTok. Donc voilà un petit peu. Donc j'ai été gâtée pour la Saint-Valentin. Et j'ai reçu un petit échantillon aussi de Melvita. Où j'ai reçu deux petits échantillons comme ça. C'est-à-dire, ça revient un petit peu les échantillons. Un sérum apaisant fortifiant et un baume apaisant rougeur. Donc voilà un petit peu. J'ai pas grand-chose à vous dire. Encore une fois, voilà, on a fait plein de choses. Mais je voulais du coup vous montrer mon cadeau de Saint-Valentin et vous dire que je n'oublie pas YouTube. Mais là, c'est vrai que cette semaine, ça a été un peu compliqué. Mon retour a été. Voilà, il y avait plein de choses à faire, etc. Puis on s'est retrouvé avec mon chéri. Donc voilà.
Donc, voilà pour ce vlog. Il aurait été court, mais je voulais vous le poster pour vous dire que tout va bien. Et que je pense fort à vous. J'ai un haul action à vous faire. Donc, je vous le ferai peut-être ce week-end. En tout cas, j'ai plein de vidéos à vous faire. Ça s'entasse. Mais il faut vraiment que je m'y remette, hein, que je trouve du temps. Je vous embrasse très fort. Passez un bon week-end et je vous dis à très vite.